La tempête du chaos. Chacun d'entre vous a grandi bercé par les récits de la grande guerre contre le chaos. La geste de Magnus le Pieux et de sa victoire contre les armées du chaos est connue de tous. Bien qu'il y ait eu de nombreuses guerres, conflits et incursions au cours des 200 dernières années, aucune bataille n'a atteint une ampleur telle que celle de la grande guerre. Enfin aucune jusqu'à ce jour. En cette triste année, le seigneur du chaos Archaon envahit l'Empire à la tête de 5 puissantes armées. Elles s'abattirent sur les terres humaines depuis les désolations du chaos. C'est ainsi que guerriers, mutants, maraudeurs, monstres de cauchemar et sombres sorciers déferlèrent sur la civilisation. Nombreux furent les flagellants et autres prophètes de l'Apocalypse à annoncer la venue de la fin des temps. Et tandis que ces armées détruisaient tout derrière elles sur leur chemin vers les provinces septentrionales, nombreux furent ceux qui se mirent à croire ces tristes prophètes. Vous avez entendu d'innombrables histoires au cours des derniers mois. Elles disent que Sigmar marche à nouveau parmi les vivants. Elles disent qu'une armée de loups attaqua la cité Chryslevit d'Erengrad. Elles disent que les morts sortent de leurs tombes pour venir défendre l'Empire. Elles disent qu'une grande victoire eut lieu à Middenheim. Elles disent qu'une terrible maladie ravage les ruelles de Talabheim et que, désormais, elles ne sont plus occupées que par des cadavres bouffis. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus croire que ce que vous voyez de vos propres yeux. Vous résidez actuellement dans la ville de Beck, sur la rive du fleuve Talabek. Une bataille qui dura 9 jours et 9 nuits eut lieu ici, tandis que des hordes d'hommes bêtes tentèrent de prendre le contrôle du pont de pierre de la ville. Ils furent repoussés, mais le prix à payer fut des plus élevés. La ville n'est plus que ruine, et les survivants doivent quotidiennement lutter pour survivre. L'armée impériale a quitté Beck depuis un bon moment, ne laissant que ses cadavres derrière elle. Vous avez entendu parler d'autres batailles ayant le plus au nord, mais il semblerait que la guerre soit finie en ce lieu. Tout du moins, c'est ce que vous espérez. Voilà déjà plusieurs jours que vous résidez à Beck, attendant que les violents orages qui arrosent quotidiennement cette partie du Talavekland veuillent bien cesser. À votre réveil, vous découvrez deux choses. Les pluies ont enfin cessé, et presque tout le village semble s'être réuni sur l'Ackerplatz. Et vous êtes dans cette petite ville de Beck qui a subi d'énormes dégradations. D'énormes dégâts, d'énormes dommages. Il y a la moitié des habitants qui sont morts, hein, voire plus. Et vous, vous êtes retrouvés là pour des raisons qui vous sont propres. Peut-être parce que chacun peut, s'il a envie ou s'il a une idée, nous dire pourquoi il ou elle se retrouve à Beck coincé par ces orages. Oui, moi je pense que je peux le dire. Ça fait quelques mois ou peut-être quelques semaines, je ne sais pas exactement, que j'ai quitté la compagnie de mercenaires Tyléens qui m'avait formé, jeune mercenaire que je suis, parce qu'ils sont rentrés chez eux. Et j'ai décidé, moi, de ne pas les suivre pour rester dans le nord de l'Empire, afin de rester proche de ma famille. Et donc, j'ai cherché du travail ici et là, dans les ruines de l'Empire, là où il y avait besoin. Et donc, c'est par hasard que je me suis retrouvé là, finalement, peut-être après un boulot ou à la recherche d'un. Et je me retrouve seul dans cet endroit. Très bien. Tu connais donc pas grand monde.
Tu es en pleine santé, pleine possession de tes moyens, ou tu as subi des revers de bataille ou quoi que ce soit? Pleine santé, je ne sais pas si on peut dire ça. Je ne sais même pas si j'ai connu la pleine santé dans ma vie. mais peut-être à part peut-être un rhume, parce qu'il fait froid, il pleut, on n'est pas toujours à l'abri. Donc il y a toujours un peu un rhume ou une crève qui traîne, parfois un peu fébrile, mais bon, rien qui ne me terrasse. Peut-être le ventre un peu vide quand même. C'est plus difficile maintenant, chacun rationne sa nourriture, son eau. Donc oui, peut-être ça. Une petite faim, je dirais. Est-ce que tu sais, surtout, est-ce que tout le monde sait, c'est qu'en effet, dans Beck, les provisions se font maigres. Donc, tout est rationné. Tout est comptabilisé. On demande des contreparties ou de l'argent pour avoir à manger. Et surtout, les gens ne mangent pas à leur faim. Que ce soit les habitants ou que ce soit les gens de passage comme vous. Ensuite, on aurait qui? Alors toi, ton nom, c'est Théodric, hein? Théodoric. Théodoric, pardon. Mais Théo pour les intimes. D'accord. Est-ce qu'on a un autre personnage qui aurait une idée de pour quelle raison il ou elle est à Beck? Effectivement, je suis à Beck également, puisque mon métier de gladiatrice m'a amené ici. Un métier que j'ai commencé, puisque je ne sais pas faire grand-chose d'autre que ça. Parce que je suis seule depuis quelques années, depuis longtemps en fait, et que après avoir été recrutée par un homme relativement mystérieux sur qui je ne sais pas grand chose, j'ai commencé à faire des combats, et le fait que je sois une femme attirait beaucoup les foules. Aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, j'ai les poches bien vides. Et je cherche à retrouver des combats, d'être dans un lieu où je trouverai des arènes. Alors c'est pour ça peut-être que tu cherches à rejoindre une grande ville. Parce qu'il est clair que, à part un champ ou une place principale, c'est pas à Beck que tu vas trouver une arène dite de ce nom. Tu sais que vous êtes qu'à quelques jours de marche de la capitale du Talabekland, Talabheim. Et c'est à peu près la seule grande ville qu'il y a dans le coin. Donc il serait tout naturel de penser que ce serait ta direction. Mmh. Et enfin, nous avons Caron, ou Caron, je sais pas comment tu veux le dire. Caron. Caron. Caron Tyr-Kreis. Eh bien moi, je suis parti vers le nord, tout simplement. Parce que au sud, je voyais bien que c'était devenu beaucoup trop calme pour mon affaire, mon business, on pourrait presque qualifier ça comme ça. Effectivement, en tant que batelier et parfois d'autres choses, à transporter les gens sur ma barque et parfois d'autres choses, j'ai bien réalisé que la guerre avait fait fructifier quelque peu mon commerce parce que les gens voulaient rapidement se déplacer et quel endroit est plus sûr que la rivière. Mais le sud a laissé place à un grand vide dans ma bourse, dans mon cœur, et aussi dans ma barque. Et donc j'ai décidé de partir vers le nord pour trouver un petit peu plus de gens à faire passer, ou d'autres choses. Mais malheureusement, pour le moment... C'est en barque que tu es arrivé à Beck, hein, je pense. Tu me contrôleras si... Non, elle me suit partout. Elle doit être amarrée, là. Pas loin du... Soit sur le fleuve, soit tu l'as tirée sur la berge. Tu choisiras. Et c'est donc un petit moment d'effervescence dans ce petit village, cette petite ville de Beck, là, que vous allez tous sortir, finalement, dans les rues, sur la place principale. Il pleuviote encore un petit peu.
Il fait pas hyper hyper beau, mais les gros orages ont quand même cessé. Et les quelques habitants qui sont autour de vous, propagent une rumeur que vous entendez. On ne fait pas trop attention à vous, vous êtes un peu des étrangers quand même. Et il paraît qu'il faut qu'on se rejoigne sur la Kerplatz. C'est un ordre du commandant Schiller. Vous avez déjà entendu ce nom, Schiller. C'est le capitaine de la garde de la ville, en fait. Donc c'est le plus haut gradé de Beck. C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui dirige tout et qui a dirigé déjà la défense de la ville quand il y a eu ces fameux 9 jours et 9 nuits de combat. Vous n'étiez pas là à l'époque, mais vous avez entendu toutes les histoires de son héroïsme. Et c'est lui surtout qui, aujourd'hui, eh bien, est un peu le maire, bailli, juge et tout ce que vous voulez en ville, quoi. Puisqu'on a décrété la loi martiale, tout passe par lui. Et c'est vraiment lui qui gère et qui décide. Et apparemment, tout le monde, tout Beck, doit se rendre sur la place. Vous y dirigez ? Tout oui. À fait. Juste en ouais. Écoutant les gens et sans poser plus de questions, à qui que ce soit, je suis un peu le mouvement. Je reste toujours relativement discret par rapport au monde en général. J'ai bien compris que c'était bien plus simple de faire mes affaires discrètement que... Quand tu écoutes les gens, tu entends que beaucoup sont quand même très curieux de savoir pourquoi cette grande réunion. Il doit y avoir quand même quelque chose de pas banal là derrière. Les gens sont pas forcément inquiets, mais tu te rends compte que c'est quand même quelque chose de pas normal. Ça fait combien de temps qu'on est là ? Tu peux nous rappeler ça ? Ça fait entre 3 jours et 2 semaines, quoi. C'est à vous de décider. Ok. Moi, je pense que je suis arrivé il y a 4-5 jours, tu vois, maximum. D'accord. Je me sens encore vraiment étranger ici. Donc, pareil, je suis le mouvement, je prends mon arbalète qui était contre un mur, je termine mon quignon de... mon crouton de pain ou ma pomme, peu importe. Et je suis le mouvement tout en observant les gens et en voyant, surtout en regardant leur visage. Au cours de la guerre et tout ça, c'est surtout ce que j'ai regardé, le visage des gens, ça me donnait un indicateur de l'endroit où je me trouvais, à quel point ils avaient souffert et tout ça. Et je vois leur espoir et leur peur mêlés, tandis qu'on les appelle probablement pour une annonce quelconque. Ce que tu remarques en regardant le visage des gens, justement, c'est qu'il y a très peu d'hommes, en fait. Ils ont tous dû périr, soit à la guerre, soit à la défense de leur ville. C'est surtout des femmes, des enfants, des vieillards, s'il y a des hommes, quelques soldats. Allez, sur la soixantaine d'habitants de Beck, il doit y avoir 5 soldats, quoi. 5 types capables de porter une arme. Et vous trois. Tu remarques tout de suite la gladiatrice. Alors elle, au milieu de la foule, on la remarque. Elle n'est pas très grande. Mais alors, elle est taillée comme un roc, quoi. Puis, il y a un petit type en capuche que t'avais peut-être pas vu, et surtout qui a l'air... Personne n'a l'air de lui adresser la parole, en fait. Tu vois bien que, même s'il essaye de se faufiler et de rester tapis dans l'ombre ou mêlé à travers la foule, les gens, instinctivement, s'éloignent de lui. Et se frotte le nez. Également. On peut se parler là pendant qu'on va à la place ou... Oui, tout à fait. Vous pouvez soit parler entre vous, parce que vous n'êtes pas loin, soit parler à des PNJ, enfin des habitants qui seraient en train de se diriger. Vous marchez, c'est quand même assez grand. Vous pensez que la ville, entre guillemets, le village doit faire 1 km de long, quoi. Grosso modo. Donc vous allez marcher 500 mètres, quoi. Ok. Moi, je voudrais m'approcher de l'espèce d'Amazone, là, parce que en fait, elle dénote tellement et elle ressemble à presque un combattant de Dulric. Moi, je viens de là-bas et elle est tout ce que je n'étais pas, en fait, physiquement, notamment par rapport à mes frères. Et donc, elle dénote. J'ai l'impression que c'est la seule réelle guerrière dans ce coin-là.
Elle est armée, tout ça, elle a une physique pour. Mais donc, je déduis qu'elle est étrangère aussi à ce lieu, comme moi. Alors, je m'approche, l'air de rien au départ. Et puis, quand je suis à côté d'elle et que je marche quelques mètres comme ça, je lui dis, sans trop la regarder, mais je lui parle. Vous n'êtes pas d'ici non plus. Vous savez ce qui se passe ? Non, salut. Non, je suis la foule. Et non, je ne suis pas d'ici. C'est pas ce qu'il me semblait. Non, je suis arrivé il y a quelques jours. Mais cet endroit ressemble à tout ce que j'ai vu sur mon chemin. En ruine. Vous venez d'où ? Vous avez l'air... Je la regarde cette fois. Vous avez l'air différente des gens d'ici. Plus aguerri, si je peux me permettre. Oui, je crois que c'est gentil, mais j'aimerais bien me faire toute petite parfois. C'est pas possible, forcément. Je suis née à Haverland. Et je viens d'un peu partout. Je n'ai pas vraiment de domicile aujourd'hui. C'est un peu comme ça que c'est pour moi aussi maintenant. Et je suis un Middenlander, même si ça ne se voit pas. Et puis, je suis presque un petit léen maintenant. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'étais dans une compagnie de mercenaires tiléens avant d'arriver ici. Les choses ont bien changé. Vous savez combattre, donc. Oui. Enfin, autant que possible, contre les horreurs qui émergent des bois et du nord et de partout maintenant. Je n'attends pas être un grand guerrier, loin de là. J'ai beaucoup de chance. Je ne suis pas sûr que même les grands guerriers s'attendaient à ce qu'ils ont trouvé. Non. Vous êtes en train de marcher. Je vais juste... Alors qu'ils sont en train de discuter, que la plupart des gens, la foule avance béatement vers la convocation. Moi, je marche dans la foule aussi, un petit peu en retrait comme d'habitude, hein, sur le côté. Et du coup, j'entends les deux seules personnes qui discutent a priori ou qui discutent fort. Et je tends l'oreille pour, sans rien dire, je tends juste l'oreille pour prendre mes propres notes. Et à ce moment-là, ce que tu vois, c'est un petit enfant qui lâche la main de sa mère un peu devant. Et qui courent vers leur direction. Pardon, vous êtes des guerriers, vous ? En parlant à Engla et Théodoric. Est-ce que vous pouvez pas aller dans la forêt pour sauver mon frère qui a été capturé par les hommes bêtes ? Vous êtes des guerriers, vous pouvez faire ça ? Et... Tu as des parents encore ? Justement, derrière, tu lèves la tête, tu vois une femme qui arrive un peu affolée, un peu... Qu'un visage un peu sévère aussi. Mais, voyons Ulrika, arrête d'embêter ces pauvres gens. J'espère qu'elle vous a pas embêté. Elle la prend par une main, elle la sermonne un peu. Pas de problème. Vous avez perdu votre fils ? Pas qu'un, oui, en effet. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté encore ? Elle vous a dit qu'il avait été emporté dans la forêt par... Les hommes bêtes. Oui, mais c'était il y a bien longtemps. Certains racontent que les prisonniers, c'est des prisonniers, que ces bestioles font des prisonniers et les conservent, à mon avis. Il n'y a aucun espoir, ce sont que des racontards. Pardonnez ma fille. Allez, viens. On va être en retard et puis on va encore se faire mal voir à cause de toi. Excusez-moi. Oui. Vous allez être en retard, mais... Pourquoi ? Eh ben, le capitaine Schiller nous a tous demandé de venir sur la place. J'ai pas envie qu'on arrive les derniers. Oh. D'accord. Vous venez aussi ? Oui, tout à fait. Très bien. Vous arrivez sur la place. Et la chose que vous voyez, mis à part le groupement de tous les habitants de Beck... C'est un énorme chariot, une énorme charrette bâchée, qui n'est pas là d'habitude.
Elle a été posée bien en vue. Et devant cette charrette, devant ce chariot, il y a le fameux Schiller, hein, le capitaine de la garde, qui parle à voix basse avec certaines personnes qui osent s'approcher de lui pour engager la discussion, en attendant finalement que tout le monde réplique. Est-ce qu'il y a d'autres militaires, soldats que le capitaine ? En effet, les quelques soldats de Beck qui existent, dont j'ai parlé à Théodoric tout à l'heure, sont là également. Ils sont en train d'épauler finalement le capitaine Schiller. Ils empêchent, de ce que tu vois généralement, les gamins ou les curieux d'aller voir ce qu'il y aurait sous cette bâche. Ok. Si vous faites pas grand-chose, parce que là, il y a des gens qui vont... Il va y avoir cette espèce de rumeur qu'il y a toujours, en fait, avant les grands discours. Des gens qui commencent à « Eh, vous savez pourquoi on est là et qu'est-ce qui se passe ?» etc. Il y a même des gens qui vont vous poser la question, à toi, Caron, par exemple. Vous êtes arrivé là avant nous, vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qu'il y a sous cette bâche? Je fais signe de non sur avec la tête. Ah, moi, je suis sûr que c'est de la nourriture, il peut y avoir que ça pour nous, pour tous nous regrouper ici. On va peut-être finir par arrêter de crever de faim. Ce serait bien. Je suis pas sûr que ce soit ce genre de faim qui anime le capitaine en ce moment. Je crains que ce soit une plus mauvaise nouvelle. S'ils nous ont fait venir pour amener des nouveaux marteaux et des burins pour renforcer la muraille, ça va bien 5 minutes. En bref, taisez-vous, ça va commencer. Et en effet, vous avez le capitaine Schiller qui fait des signes de la main, hein, comme un tribun, là, même si vous voyez que c'est pas trop sa tasse de thé, il a l'air certainement, et puis tout ce que vous en avez appris de commander des hommes, des militaires, plutôt que de parler à des civils, mais bon, il fait son travail comme il se doit. Et il commence à parler assez fort. Bon peuple de Beck. Puis vous avez des gens au fond qui... On n'entend pas, on vous voit pas. Capitaine, on n'entend rien. Et puis ils disent, taisez-vous, je suis Dexter. Bon. Au bout d'un moment, il y a un soldat qui arrive, qui prend une caisse, qui la pose par terre. Et le capitaine monte sur la caisse et recommence. Bon peuple de Beck. Aujourd'hui... Le Talabekland pleure son compte électeur. Là, tout le monde hein, est pris d'un coup au cœur. Là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous entendez des hoquets, des surprises. Fauerbach n'est pas rentré de la guerre contre Archaon. Fauerbach, vous savez toutes et tous que c'est le nom de famille du compte électeur du Talabekland. Mais nous pouvons tout de même nous réjouir. Car nous ne restons pas sans tutelle. Là, il montre une lettre, en fait, à la population devant lui, même si 90% des gens ne savent pas lire. Le conseil de Talabheim a choisi la comtesse Élise pour prendre les rênes de la ville en attendant. Notre empereur Karl Franz doit choisir un nouveau comte électeur, mais pour l'instant, c'est elle l'intérimaire. Au niveau des réactions dans l'assemblée, là, les gens ont l'air assez partagés. Vous avez des gens qui ont été très choqués d'apprendre que Fauerbach n'était pas revenu. Vous avez des gens qui avaient l'air assez soulagés qu'on ait quand même mis quelqu'un à la tête du Talabekland. La plupart des femmes, quand on a dit que c'était la comtesse Élise, étaient assez satisfaites. Et je vais vous demander le premier jet de la soirée. Je vous demande un test de perception. Un test de perception visuel si vous avez un bonus, mais je pense pas que vous en ayez. Parce que je considère que vous n'êtes pas, en tant qu'observateur extérieur un petit peu, vous n'êtes pas, waouh, vous n'êtes pas focalisé sur le capitaine, mais également un peu sur l'assemblée. Bien. Eh bien...
Engla, toi, tu regardes un peu tout le monde, tu vois que c'est pas très grande, alors tu vois pas parfaitement, tu vois ce que je viens de te dire juste auparavant. Caron, également, tu vois que t'entends quand même des petits... des gens qui se posent la question, mais... Élise, mais de quelle famille? Quelle famille appartient-elle? Quel est son nom de famille? Personne n'a la réponse. Et toi, les stats, j'allais dire, parce qu'il est marqué dans le chat. Toi, Théodoric, tu vois une personne dans l'assemblée qui tire une tronche d'enterrement quand elle entend ça. Et ça te surprend un petit peu, parce que cette personne, on te l'a décrite depuis les 5 jours où tu es là, comme la guérisseuse du village, tu vois, la personne qui s'occupe des orphelins, la personne qui aide les gens. C'est pas une prêtresse de chez là, mais c'est juste une vieille dame, en fait, qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie beaucoup, que les enfants apprécient beaucoup, qui est toujours là pour aider, rendre service, qui est très douce, etc. Cette dame, c'est la grand-mère Mosher, en fait. On l'appelle même Granny Mosher, donc Granny, en allemand, c'est la grand-mère. Granny Mosher, on dirait qu'elle a vu un fantôme, en fait, quand elle entend cette partie du discours du capitaine Schiller. C'est la seule chose que tu arrives à voir pour l'instant. Ok ? Très bien, bah c'est pertinent avec le fait que je regarde souvent les visages des gens, que ça m'en dit beaucoup. Et pendant ce temps, en fait, quand tu te poses un peu des questions de pourquoi, etc., tu entends toujours la voix de Schiller derrière. Et cette voix qui... La comtesse nous envoie cette lettre et ce chargement. La ville de Talabheim se dresse toujours aussi vaillante et forte, car rien ni personne ne saura faire tomber l'œil de la forêt. Les gens sont un peu plus contents, entre guillemets. C'est une bonne nouvelle de savoir que Talabheim n'est pas tombé. Il y a quand même des petits hurrahs comme ça, là. Vive la comtesse Élise! Même si, finalement, personne n'a l'air de connaître son nom de famille. Elle nous envoie également ses remerciements pour la manière dont la population de Beck a su se dresser face à l'avancée des troupes du chaos. Elle a dit, et je cite sa lettre, « Les générations futures se souviendront de la bataille du pont de Beck comme l'une des plus glorieuses batailles de l'histoire du Talabekland et de l'Empire. Alors soyez fiers, peuple de Beck, car notre sacrifice n'aura pas été vain. » Et là, vous avez beaucoup d'acclamations, beaucoup d'ouras, beaucoup de gens qui sont contents, des vivas. Vive le capitaine Schiller, vive la comtesse Élise, vive le Talabekland, vive le Sigmar, vive l'Empire. Est-ce que vous réagissez ou est-ce que vous vous taisez? Je vais rester silencieuse pour ma part et continuer à écouter ce qui se passe autour. Très bien. De même, étant de nature de toute façon discrète, je ne veux pas me mettre à crier au milieu de la foule. Et la foule crie, hein. Non, mais moi, je dis vive l'Empire. Vive l'Empire! Très bien. Que t'as moi, qui résonne à la fin, tu vois. Ouais, tout à fait. Schiller reprend. Merci. Afin de nous montrer sa gratitude pour le courage dont nous avons tous fait preuve, la comtesse Élise Kriglitzuntern nous a envoyé un gage de sa reconnaissance. Et là, par contre, vous avez tous capté que quand il dit nom de famille, il y a des gens qui se regardent tout de suite les uns les autres. Qu'est-ce qu'il a dit ? Kriglitz ? Et vous entendez des petits trucs comme ça. Mais tout de suite, lui aussi a dû capter, parce que... Elle nous a envoyé un chargement de pain et de vin pour nous, pour vous, pour que vous puissiez reprendre des forces, pour que vous puissiez... Et il n'a pas fini sa phrase. Que vous entendez tous et que vous reconnaissez tous le bruit d'une explosion. Une explosion, un coup de fusil. Et le capitaine Schiller s'effondre. Et là, tout le monde crie, tout le monde hurle, tout le monde court dans tous les sens, tout le monde part se cacher. Ça commence à partir dans tous les sens. On nous attaque, on nous tire dessus, ça venait de l'autre côté de la rive. Attention, cachez-vous, qu'est-ce qui se passe ? Etc. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, immédiatement, je regarde du côté de la rive et je prends mon arbalète
Et tout en regardant du côté, par réflexe, je charge un carreau dedans, tout en regardant ce qui se passe. Ok, réflexe du guerrier, quoi. Exactement. Très bien. Vous êtes sur la rive sud, apparemment. Et c'est pas bien compliqué, vous êtes tous les trois aguerris. Il y a une toute petite colonne de fumée qui s'élève, d'un des bâtiments, de l'autre côté de la rive, de l'autre côté du pont. Ce pont toujours intact, que certains ont défendu au prix de leur vie, pas vous. Mais vous êtes d'un côté, et le coup de feu semble venir de l'autre. Moi, dès que ça a tiré, et que j'ai entendu ça vient de l'autre côté de la rive, je vais essayer de me planquer tout simplement à l'angle d'une maison proche ou quelque chose comme ça, s'il y a... Là, vous êtes sur une place. Donc, on est sur le passé, ok. Ouais, c'est ça. La seule chose pour se planquer, ce serait le chariot, quoi, tu vois. Très bien. Je vais courir et me mettre derrière le chariot. Très bien. Par rapport à la position de la rive. Ok. Alors, ce qui serait pas mal, excuse-moi de te couper, je vais peut-être faire pareil, parce que comme ça, c'est une occasion que les deux personnages se rencontrent. Pas de problème. Je vais me planquer aussi derrière le chariot, on va se rapprocher comme ça. Ok, pas de soucis. Pour les besoins juste de lisibilité, de compréhension d'où vous êtes les uns les autres, je vous ai mis sur une mini battle map, hein. Faut pas prendre les choses pour argent comptant. Donc, c'est du représentatif, quoi, ok. Je vais juste. Pas les tokens. Tu vois pas les tokens parce que je les ai pas mis. Normalement, vous devriez pouvoir les mettre vous-même. Généralement, je vais juste les réduire parce que vous êtes très très gros. Alors, on va dire que vous faites un carreau et demi. Il faut zoomer, je pense, à 100%. Enfin, moi en tout cas. Alors, Schiller était là, où je l'ai posé. Et on doit pouvoir trouver. Chariot, sûrement, quelque part. Pendant ce temps, vous êtes derrière la caravane, là. Ouais, c'est ça. Je profite que alors que le coup de feu a éclaté, la foule s'est sûrement dispersée et partie dans tous les sens. C'est ça. Et je profite que tout le monde part dans un sens pour moi les traverser et aller derrière la charrette alors qu'ils s'en éloignent. C'est ce que je veux dire. Par logique. Je vais avoir à peu près le même réflexe tout en préparant mon marteau que je vais laisser reposer sur l'épaule. Mes mains bien placées, en tout cas. Très bien. Vous entendez un hurlement. Il y a quelqu'un qui hurle, mais vraiment à s'en déchirer les cordes vocales, là. Un hurlement de terreur. Regarde un petit peu, planqué derrière la charrette, je regarde un peu au-dessus, et tout en parlant au batelier, sans le regarder, je dis, vous avez vu quelque chose? Vous voyez d'où ça vient? J'ai entendu dire que ça venait de l'autre rive, mais je n'ai rien vu. T'essayes de regarder, tu lèves la tête et tu vois tout de suite que la place est complètement vide. Il reste Schiller devant le chariot. Ça m'emmerde parce que j'arrive pas à trouver de chariot, donc je vais vous mettre un petit carré. Si je sais faire un dessin, je sais pas comment on fait. Pas grave, on visualise. Voilà, vous avez Schiller devant le chariot. Vous êtes planqué derrière, à part peut-être... Putain, j'ai pas vos noms là. Engla. J'ai que vos pseudos. Engla. Dépasse un peu. Qui est peut-être pas allé derrière, je sais pas. Et sinon, vous voyez que c'est complètement vide. Même les quelques soldats, finalement, qui étaient là quand Schiller avait débuté son speech, vous savez pas où ils sont allés quand le speech a débuté, mais en tout cas, vous les voyez pas. Et ce que tu vois, par contre. Putain, je suis désolé. Théodoric, hein. Ce que tu vois, c'est qu'il y a du mouvement sur le pont. T'as l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de courir sur le pont, mais depuis l'autre rive, et qui viennent dans votre direction. Ok, j'essaie d'alpaguer le capitaine. Capitaine, regardez sur le pont! Alors lui, tu vois que il respire son quoi. Armure l'a sauvé. Ah. Il a une énorme bosse en creux, tu vois, concave au niveau du poitrail, et tu vois d'ailleurs une bille de plomb qui est encore coincée à l'intérieur. Il a le souffle coupé et il est en train d'haleter, quoi. Il est debout, il est allongé. Non, il est affalé contre le chariot. Ah d'accord. Je vais essayer de le tirer. Chariot, si tu veux, tu vois. Je vais essayer de m'approcher de lui pour le tirer derrière le chariot pour qu'il soit plus visible par les gens qui arrivent du pont, tout en jetant un coup d'œil au niveau du pont pont pour voir. Alors lui, de toute façon, il t'arrête tout de suite. Il t'attrape l'avant-bras.
Arrêtez, mon garçon. Il ne faut pas. Laissez passer. Laissez-moi, je reprends mon souffle. Et donnez-moi. Mais qui sont ces gens ? Donnez-moi 2 minutes. Je ne sais pas, mais. En tout cas, ils sont pas de bonnes intentions, comme vous avez pu le voir. T'en charge. On a besoin de vous, capitaine. J'essaye de m'approcher. Il y a une espèce de truc que je vois sur la map, une sorte de rondin ou je sais pas quoi, là, qui rapprochait du pont. Merde. Bon, il y a des petits débris au niveau du pont parce qu'on essaye de le renforcer, de le nettoyer, tu vois, un truc comme ça, mais c'est pas pour argent comptant. Tu me dis que si tu veux qu'il y a un petit mettre derrière un débris, tu peux, il n'y a pas de problème. Quelle largeur fait le pont par rapport à la charrette ? Quelle largeur ? Tu peux mettre 2 charrettes. Ok. Et là, les gens sont en train de se rapprocher, hein, vous voyez pas bien, vous pouvez me faire un test de perception si vous voulez pour essayer de. Moi, j'aimerais bien voir comment il ressemble, effectivement. Quoi. Ouais, c'est ça. Je suis en train de faire n'importe quoi, parce que l'interface de Roll20 a changé, et j'arrive plus à trouver les couches. Ah, c'est là. Ok. Dans ton tiroir, les couches. Non, c'est fini, ça, depuis un moment. Ça parlait pas pour tes enfants. Ah, alors, c'est pas encore l'heure, j'ai la stat. Vous avez tous fait perception, là ? Moi j'ai pas fait. Oui. Non, mais t'es pas obligé. C'est que si tu veux. En tout cas, ceux qui regardent et qui réussissent, vous êtes petit peu surpris, vous êtes un petit peu désagréablement surpris. Vous voyez arriver ce qu'on appelle communément et sans trop d'embâge des mutants du chaos. D'accord ? Ce sont des humains qui ont été touchés par les mutations chaotiques. Ce sont des humains comme vous et vos camarades, mais auxquels aurait poussé un troisième bras, des tentacules là où il faut pas, un cinquième œil, etc. Vous en voyez une petite poignée, pas énorme. Vous pensez que s'il y en a pas plus, à vous trois, vous quatre, ce serait faisable. Mais il y en a quoi là ? Vous en voyez 4. Je me retourne vers ceux qui sont présents. Donc, j'ai pas encore vos noms dans le jeu, mais donc, les personnages de mes compagnons. Et quand je me retourne vers vous, vous voyez au fond de mes yeux que j'ai vu un truc horrible. Je vais mettre en position. Viens pour nous. Qu'est-ce que vous avez vu ? Mutant. Vite, en position. Ça va être le combat. On n'a plus le choix. Je me retourne. Je commence à essayer de viser avec mon arbalète en attendant qu'il soit à portée et pas trop loin parce que je suis pas un super bon tireur. Je vise. Okay. Je me retourne vers. Comment c'est ? Engla ? Engla, oui. Engla, je me retourne vers toi sans connaître ton nom, je sais, mais je me retourne vers toi et me dis : toi, tu m'as l'air plutôt forte. Peut-être on peut pousser la charrette pour créer un espèce de goulot d'étranglement. Ils pourront pas passer en force. Et peut-être même qu'on peut les charger avec. Vas-y, on y va. Bien, et on se met au cul de la charrette, au cul à la tête, je sais pas dans quel sens elle est, peu importe. Et, je vous couvre. Ok. Et on va se mettre à pousser la charrette. Ouais, elle est pas très dure à pousser, il y a juste une cale à enlever, elle va rouler. La chose que tu vois, toi, pendant que tu les couvres, la stat, Théodoric, c'est que les mutants auraient pu traverser depuis le temps que ça vous prend. Étonnamment, ils sont en train de ralentir quand ils arrivent au milieu du pont. Toi, tu comprends pas leur tactique, là. Il y a le tireur. En effet, tu sais que si c'est ce que tu crois, c'est-à-dire un fusil, il pourrait y avoir un deuxième coup dans 30 secondes. Ce que je fais, c'est que pendant que mes compagnons d'infortune sont en train de pousser la charrette, en fait... Je les couvre et je leur dis attention, il risque d'y avoir un nouveau tir là-bas par-delà la rive, il faut qu'on avance. Et je commence à me mettre aussi derrière la charrette pendant qu'il la pousse, mais pour qu'on puisse s'approcher en réalité. Et avancez, moment, mais. Avancez, mais restez à couvert. Derrière la charrette pendant que vous arrivez avancez, à vous cacher derrière la charrette. Le seul qui va rester finalement à découvert, c'est le capitaine Schiller qui, pour l'instant, n'a pas réussi à vous suivre au moins à votre vitesse. Il bouge toujours pas.
Ouais, il est en train d'essayer de se relever, mais il va moins vite que vous, quoi. Je veux aller chercher, hein. Je m'en fous de ce qu'il m'a dit, en fait. Je pensais qu'il se relevait, j'ai mal interprété. Il est en train de se relever, tu vois, mais vous allez quand même plus vite. Dans le feu de l'action, vous allez quand même plus vite que lui. Okay. J'ai peur qu'il se prenne un coup de fusil, en fait. Moyen de courir pour essayer d'aller le mettre à l'abri. Tout à fait, tu peux essayer d'aller l'aider, tu veux lui prêter ton épaule pour aller plus vite, quoi. Ouais, je voudrais faire ça. Ok. Ouais, tu peux me faire juste un petit dessin ou un test d'agilité comme tu veux. Lance-moi juste un dessin. Agilité, comme tu veux. Agilité. Tu interpréteras comme tu le veux. Ouais, pas de souci. Pendant ce temps, les autres, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur votre personnage et lancer un jet d'initiative. Comme ça. Attendez, je vais changer de musique. Voilà, je vais mettre celle-là. Un jet d'initiative, comme ça, on verra quand on aura besoin des tours qui joue à quel moment. J'arrive pas à cliquer sur mon token pour faire les jets. Tout a disparu. J'arrive à cliquer dessus, mais je ne vois pas comment on lance l'initiative. Désolé. Alors, tout en haut, tu dois avoir une macro qui s'appelle initiative. Quand tu as cliqué sur ton personnage. Ah oui, putain, oui, je suis bête. Elles ont disparu pour moi, les macros. Les macros ont disparu peut-être parce que tu as désélectionné ton personnage. Ah, j'essayais de... Ah, ça y est, en fait, non, je sais pourquoi. Je suis une brêle, c'est tout. Agilité. Raté, j'ai fait 45. T'as fait 45, c'est pas forcément raté, en fait. C'est-à-dire que tu vas y arriver, mais t'espérais que ça aille plus vite. Okay. Et au moment où tu es en train de le soutenir, pendant que les autres sont plus qu'à deux à pousser la charrette alors que vous étiez trois, t'entends une deuxième détonation qui semble venir du même endroit. Moi je sens quelque chose, je suis touché. Non, tu sens pas, t'as pas été touché. Okay. T'as pas entendu de cri, t'as pas entendu de hoquet, de surprise, de blessure, de douleur. D'accord. Y a pas un endroit où je peux l'aider pour qu'il se cache un débris, un truc. Bah là, il est derrière la charrette avec vous, il n'y a pas de problème. Ah d'accord, il est venu. Ok, très bien. T'as réussi. Super, super. C'est juste que t'as eu un peu le laps de temps de savoir si t'as été touché ou pas. Ça a tiré quand vous étiez encore à découvert, quoi. À se faire tirer comme des lapins. Faut absolument qu'on aille chercher le tireur là-bas, qui est planqué là-bas. Je commence à me mettre en fait sur la. Au-dessus de la charrette, enfin, je reste derrière, mais j'appuie mon arbalète sur le haut de la charrette pour me protéger, mais quand même voir ce qui se passe. Mmh. Et puis si j'arrive à porter à un moment, les gars, je vais. Ah bah là, tu sais que si tu voulais tirer sur l'un des mutants, tu pourrais. Je vais tirer dessus. Ils sont pas là pour enfiler des perles. Hein. Ils sont en train d'avancer, mais tu vois, de ce que tu remarques, ils sont en train de lever les bras comme si. Ils essayaient plutôt de montrer qu'ils sont là et quelque chose comme ça. Si je vois ça alors que je pousse la charrette, je vais quand même regarder à gauche, à droite, derrière rapidement pour voir si c'est pas un piège en fait et que ça nous arrive pas d'un autre front. J'ai l'impression qu'ils essayent de nous attirer au milieu du pont, non ? Ils avancent quand même un peu. Ils avancent quand même. Peut-être qu'eux aussi, de ce que tu dis, sont peut-être pas si débiles et ils ont pas envie de se battre sur le milieu de la place, tu vois. Ça, tu sais pas. Tout à fait. Alors, du coup, toi, Caron, non, tu vois rien. La seule chose que tu vois, c'est que bah, vous êtes que tous les quatre, quoi. Je tire. Franchement, je tire. J'ai vu trop d'horreur et on s'est fait tirer dessus. Le capitaine Schiller s'est pris une balle. Il est hors de question que je tire. Dis-moi sur lequel tu tires et puis tire. Je sais pas, celui qui a l'air le plus. Le plus fragile, peut-être. Le plus fragile, t'en vois un qui a l'air d'un vieillard, en fait. La seule chose qu'il a de mutant, c'est qu'à la place du nez et de la bouche, il a un groin, comme tu dirais, un groin de cochon, quoi. C'est celui qui est en haut du pont. C'est celui qui est en vert, là. Je tire dessus. Néanmoins, avant de tirer, même si ça prend du temps, ou si tu considères que je le faisais avant, j'en sais rien, je vise. J'ai un truc si je vise. Vas-y, pas de problème. Alors... je veux juste vérifier, excuse-moi, sur mon personnage, que j'ai un truc spécial visé, ça me donne un meilleur bonus. Ouais, t'as plus 20 au lieu de plus 10. J'ai plus 20, exactement. Allez, dans ce cas, modification. Alors, je l'ai dit à personne parce que j'ai oublié, vous avez des points de fortune, vous vous rappelez. Oui. On les a tirés ensemble. Ces points de fortune vous permettent de relancer n'importe quel jet. Donc, typiquement... un jet d'attaque raté, vous pouvez dire j'utilise un point de fortune. Sur vos tokens, c'est la jauge verte, donc vous en enlevez un et vous validez avec entrée. Si jamais vous voulez utiliser ça, d'accord ?
Attends, c'est bizarre là. Il a mis que j'avais 0 en arbalète. C'est ta macro qui marche pas. C'est ta macro qui marche pas parce que t'as mis le plus au lieu de mettre le 20. Ok, il faut mettre que 20 quand c'est un bonus. Bon, bah j'ai fait 2, on peut le garder. Oui, on va le garder. Par contre, jette-moi un D10 alors, parce que t'as pas les dégâts là. Ah oui, c'est vrai que j'aurais dû les avoir. Bah écoute, je le fais tout de suite. Alors ta base c'était de 49, donc t'as fait 2 plus 4 degrés de réussite. On est d'accord? Ouais. Ok. Ah. Donc on va faire 1 des 10 plus l'arbalète. Ouais. C'est 3 ou 4 l'arbalète, tu sais? Je crois que c'est 4, mais j'ai. Je crois que c'est 4. Je vais regarder dans ta fiche pendant que tu fais ton D10. 1 des 10 plus 4, c'est ça? Ouais, c'est ça, 1 des 10 plus 4 et plus 4 encore du coup. Ah oui, c'est vrai que tu fais cette règle-là, donc plus 8. Oui, on va faire cette règle-là pour les gens qui regardent et qui connaîtraient Warhammer V2. On a décidé d'inclure les degrés de réussite dans les dégâts pour que ça aille un peu plus vite, que ça soit un peu plus mortel. Je trouve ça très bien. 16. Bah 16. Tu lui enfonces ton carreau d'arbalète entre les deux yeux et le mutant s'affale au sol. Il est séché raide pour le compte. Et puis t'as les autres qui se retournent vers lui, vous entendez un hoquet de surprise. Il y en a un autre juste à côté qui a des cornes sur la tête. C'est un homme, hein, mais il a des cornes sur la tête. Et il a une espèce de fourrure également sur tout le corps. Et il pousse un braillement, un braiement, un... Et il se met à courir dans votre direction. Parfait. Je vais l'attendre derrière la charrette avec mon marteau. Alors je vais juste demander à... c'est quoi ton prénom ? Théodoric, si tu peux me faire ton initiative s'il te plaît, parce que je t'ai pas dans la liste. 38. Ok. Je vais juste... Hop, ça tombe bien. Ok, donc c'est à toi, hein, Gla. Moi, je considère que vous avez réussi quand même à avancer la charrette, on va dire, un peu par là, histoire de faire une couverture, et que vous êtes tous plus ou moins comme ça. Ok, on prend pas les choses pour le compte, mais... Oui. Du coup, en fait, t'en as qu'un en face de toi, si tu veux. Au niveau du combat, il est en train d'avancer. Toi, ce que tu peux faire, t'as plusieurs choses, hein, mais c'est vrai que j'ai oublié de vous donner la liste des actions de combat. Vous l'avez sur le bouquin, si jamais vous avez le bouquin que je vous avais envoyé. Ou sinon, vous l'avez également dans votre fiche de personnage sur Roll20. Sauf que la fiche de personnage a une erreur, mais minuscule, mais qui peut avoir son intérêt. En dessous du portrait de votre personnage, là où vous avez mis votre armure, vous souvenez, vous avez la liste des différents types d'actions qu'on peut faire en combat. Est-ce que vous la voyez ? Mm-hmm. Oui, tout à fait. Okay. La seule erreur, c'est sur la posture défensive. Il y a marqué demi, c'est complète, mais pour l'instant, on s'en fout. Hein. Demi complète, pourquoi ? Parce qu'en combat, on a deux demi-actions ou une action complète. C'est tout, hein. C'est aussi simple que ça. Ok ? D'accord. Donc là, par exemple, ce que tu peux faire, c'est une attaque standard et préparer une parade, ça fait demi-demi, ou alors, par exemple, une charge qui te donnerait un bonus au toucher, tu vois, ça c'est possible aussi. À toi de voir un peu comment tu veux, dis-moi à peu près ce que tu aimerais faire avec ton personnage, et moi, au début, je vais te dire un peu quelle tactique employer, quoi. D'accord. Je voulais l'attendre, en fait, derrière le chariot, histoire qu'il ne me voie pas tout de suite, et lui asséner un coup de marteau dans le crâne. Très bien, tu fais ce qu'on va donc appeler un retardement, c'est-à-dire en fait, tu retardes ton action, et quand lui va jouer, ça tombe bien parce que c'est tout de suite à lui, tu pourras faire ton action. Okay. D'accord. Okay. Ok, parfait. Donc en fait, il se passe ça, le personnage avance, et à partir du moment où il arrive au coin, eh bien, tu vas essayer de l'attaquer, vas-y. Il est surpris, donc il fera pas de parade, vas-y, attaque-le, tu cliques sur ton personnage, tu cliques sur arme de corps à corps, t'as un bonus de, on va dire, comme t'as préparé, on va dire que t'as visé, donc t'as un bonus de 10, tu mets pas le plus. Et quand on te demande percutant, surtout si t'es avec ton marteau à deux mains, tu mets percutant oui. D'accord, et j'ai aussi le talent coup puissant, qui me donne plus 1 en dégâts pour les armes. Très bien. De corps à corps. Il faudra voir s'il y a des dégâts, d'accord. Donc sachant tu m'as dit avec arme de corps à corps. Tu n'as pas mis le marteau dans ta liste de... d'inventaire, oui, tu fermes de corps à corps. Hein. Ça fait, le marteau de main, c'est BF, de toute façon, je crois. Et modificateur, je mets... Tu mets 10. 10. Ok. Percutant, oui. Alors, c'est typiquement là, par exemple, si tu veux utiliser un point de fortune, tu peux. Oui. Et je refais la même chose. Exactement. C'est comme si tu n'avais pas lancé le jet, en fait. D'accord.
Parfait. Donc tu as 11 de dégâts, plus 1 parce que tu as coup puissant, c'est ce que tu nous as dit. Ça fait 12, oui. Plus 2 parce que tu as un réussite de 2. Le type en face ne part pas, n'esquive pas, n'est même pas conscient de l'attaque en fait. Donc tu fais 14 points de dommage, on est d'accord, j'ai pas mal calculé. Je vais juste regarder combien il a d'endurance, ok. Donc tu. Lui également. Se prend un coup, les autres vous voyez ça, vous entendez un énorme crack, elle lui a mis un coup de marteau sur la face en fait, il était en train d'avancer, il était un peu aveuglé par sa fureur, et là bam, elle lui a éclaté la gueule, il y a du sang, de la cervelle partout, la chose est raide au sol, elle bouge à peine, c'est juste son tressaillement nerveux qui le fait bouger. Par contre, de l'autre côté, vous entendez du bruit, Caron et Théodorique. Vous entendez des espèces de grognements, vous entendez des espèces de bruit, comme si les autres qui restaient étaient en train de vous contourner. Ok. Ok. Eh bien. Caron, ce sera à toi, prochain coup. Eh bien, très bien. Alors que j'entends justement qu'il y a quelqu'un qui approche. Ne voulant pas y aller de front, je vais, si je peux le faire, tu m'arrêteras, hein, je vais prendre appui sur la roue qui est devant moi, monter d'une marche, entre guillemets, monter sur la charrette, et je vais sauter, épée à la main, épée au clair, sur celui qui est le plus proche de la charrette. Donc ce sera celui-là. Tu veux faire une attaque en sautant, c'est ça? Je sais pas si c'est faisable ou si c'est... Ou tu veux atterrir derrière et attaquer après? Non, je veux sauter dessus, l'épée au clair, comme pour le lui faire un coup de haut en bas, en tombant avec la chute, quoi. Ok, bah écoute, je te laisse mettre de ton mouvement, tu fais une demi-action et une attaque, tu montes, c'est assez facile hein, pour monter, c'est pas non plus l'Everest. T'arrives en haut, et ce que tu remarques, c'est qu'il y en a deux, hein, comme sur la map, là, qui sont en train de courir, il faut les imaginer qu'ils sont en mouvement, hein, ils sont pas du tout immobiles. Tu vas essayer de faire ton jet de CC, d'attaque, et à part si tu es extrêmement agile, parce que tu as un talent quelconque, tu vas le faire quand même à moins 10, parce que le type est en train de courir, plus tu es en train de sauter, donc c'est pas tout à fait facile. Ok, je n'ai pas de spécialisation dans l'agilité spécialement, donc je lance... T'es pas acrobate, saltimbanque ou... Non, je fais rarement des acrobaties sur ma barque, du coup... Tu mets moins 10 quand tu attaques avec ton arme. Modificateur, moins 10. Ok. Submit. Percutant, non. Hop. Ah. Okay. Est-ce que tu relances ou est-ce que tu veux laisser comme ça? Sachant que ça ne veut pas dire que c'est un échec obligatoirement. C'est ce qu'on avait un peu dit avec les stats quand on avait essayé de refaire les règles là. C'est-à-dire que tu lui as sauté dessus quand même. Hein. T'es venu au corps à corps. Tu es rentré dedans le type. Donc peut-être que tu as réussi à le blesser finalement. On va voir comment il reçoit ton attaque. Mais est-ce que tu veux relancer ou pas en fait? Je vais garder mes relances pour quelque chose de plus. Alors du coup, on va essayer juste de mettre en pause une seconde pour voir ce qu'on a prévu. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu réussis un jet d'attaque, la personne en face prend les dégâts ou a préparé une parade, donc part. Mais là, t'as pas réussi. T'as un degré de réussite de moins 2, hein, c'est ça, on est d'accord. Parce qu'on prend que les dizaines, on prend pas les unités. Hein. T'as un réussite de moins 2. Lui, il va essayer juste de voir comment il récupère le coup. Lui, il avait une base de combien, parce que ça marche pas, donc il faut que j'aille vérifier, il faudrait que je vérifie mes statistiques, mes macros. En CC, il avait 30 et quelques, là il fait 60, donc finalement, tu fais une moins pire réussite que lui, on est d'accord. Donc, tu nous lances quand même un des 10, plus ton BF, ça doit être 3, c'est ça? Ah, c'est ça. Et puis la différence entre vos deux degrés de réussite, c'est 4, donc plus... non, c'est pas tout, c'est 4, c'est 1 plus 1. Donc plus 3 plus 1 1 des 10 plus 4, ouais, c'est ça. Ok. Ouf. Tu fais ce qu'on appelle une fureur numérique. C'est-à-dire que tu fais 10 sur ton D10, et tu vas me relancer un test de CC. Fureur d'Ulrich, c'est quand tu fais le maximum de dégâts sur ton coup.
donc comment ça fonctionne dans Warhammer, on dit que c'est Ulrich, le dieu des batailles et de la guerre, qui s'intéresse un petit peu à ta prouesse. Donc tu relances un jet pour toucher, et si tu réussis, tu refais encore un des 10 de dégâts. Ok, je suis désolé, mais est-ce que je dois relancer la statistique CC, ou est-ce que je peux lancer mon épée à une main qui est normalement liée Que CC, avec le malus que tu avais, c'est-à-dire le moins 10. Ok, c'est parti. Il y a peu de chances que tu réussisses, mais... Quand il foire son jet de combat, en fait, là tu fais une passe d'armes pour voir s'il peut encore réussir quand même. Ouais, c'est ce qu'on avait dit, tu te souviens? Oui, non, mais je pensais que c'était que pour le contre. J'avais pas compris que tu laissais la main aussi potentiellement. Non, oui, aussi. Bah, le but, c'est qu'en si tu, fait, non, si mais... tu domines ton adversaire, t'arrives quand même à le frapper. Ok, ça marche pas. Si, ça a marché. T'as fait 27 sur 37, donc c'est un échec. Mais c'est pas grave, t'as quand même fait 14 points de dégâts. Oui. Donc toi également, je te laisse décrire la manière dont tu le tues avec ton épée, dans ton seau et dans sa course. Eh bien, comme je le disais, je prends, j'entends les ennemis arriver. Je ne sais pas qui sont deux spécialement, mais j'entends des gens arriver. Et du coup, ni deux, je prends appui sur la roue qui est devant moi, sur un de ces bâtons, et je continue à monter sur la charrette et je saute en direction de l'adversaire le plus proche. Et pendant le saut, je mets un coup de lame qui n'est pas forcément très précis, mais qui apparemment est mortel, qui atterrit pile au niveau de sa nuque, et je lui fais une grande entaille sur la nuque, qui va le faire effondrer tout de suite, et moi j'atterris un peu à côté, sur mes deux bottes. T'atterris à côté sur tes deux bottes, avec ta lame encore à moitié plantée dans le corps de ton ennemi, pour voir qu'il en reste encore un deuxième, qui est à 2 mètres de toi. Pour l'instant, tu sais pas s'il t'a vu ou s'il t'a pas vu, s'il t'a choisi comme cible ou pas. En tout cas, ce que tu remarques, et tu vas me faire un petit test de force mentale, c'est que cet ennemi, là, celui qui reste vivant, à la place de ses bras, enfin d'un de ses bras et sur tout le côté, il possède des tentacules qui sont en train de tourner dans tous les sens, qui sont en train de s'enrouler les unes autour des autres. Il y en a certaines qui... Darde vers toi comme ça. J'attends juste ton test de force mentale pour voir. Excuse-moi, j'y vais. Ouais, oh. T'en as vu d'autres. Des poulpes dans le Talabec, il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, t'as déjà vu. Dans les rivières, il y en a apparemment, parce que j'en ai déjà vu. Très bien. Toi, Caron, c'est fait. Théodoric, ton arme a été déchargée. Elle a été déchargée, effectivement. Je vois que. Il vient d'en Oxyrin, mais qui risque de se prendre l'espèce de poulpe, d'homme poulpe sur lui. Est-ce que si je lâche mon arbalète, je dégaine mon épée, j'aurai le temps de rentrer dans le combat ou pas? Tu auras le temps de te rapprocher de ton ennemi et de faire en sorte qu'il n'aille pas attaquer ton ami, entre guillemets, ton allié, mais tu n'auras pas le temps de lui porter une attaque. Tu auras juste le temps de le gêner, en fait, quoi. Ouais, et c'est moi qui vais attaquer. Tandis que si je recharge, ça me prend une action complète sur de l'arbalète. Je sais pas si t'as un rechargement rapide. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Alors oui, ça te prendra toute ton action de recharger. Ok. ce que je vais faire, c'est que je vais lâcher mon arbalète, je vais dégainer mon épée, et je vais pas me rapprocher de lui dans le but de le gêner. Je vais plutôt le contourner. Tant pis, ça sera pour le tour d'après s'il faut. Et je voudrais me retrouver dans son dos. Il faut que je prenne le temps. Alors, tu sais qu'il est quand même conscient que tu es là, hein, donc tu n'auras pas de surprise. Oui, mais bon, vu que je vais me mettre de l'autre côté, ça permet que soit moi, soit le batelier se retrouve dans son dos s'il décide de faire face à l'un ou à l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je comprends. Alors, attention, dans les règles normales, être dans son dos, ça ne signifie rien quand le personnage que tu vises sait que tu es là. Ok ? Ah ! On ne peut pas considérer ça comme une surprise parce qu'il est conscient de ta présence. D'accord, okay. Dans ce cas, attends, non, je m'emmerde pas, j'avance. Je tire mon épée et je me rapproche. Mais je reste à distance suffisante, tu vois, je veux pas être au contact avec lui. Ouais, je comprends, ok, tu n'engages pas, ok, très bien. Exactement. Tu peux te placer où tu veux sur la map, on n'a pas de problème. Ouais, Engla, c'est d'accord. À toi. Ton adversaire est mort, tu vois le capitaine Schiller qui est en train de se redresser assez difficilement. Il prend appui sur sa longue épée là. Et tu penses que dans 30 secondes, il sera opérationnel pour venir vous aider, même si la douleur qu'il a dû ressentir a dû quand même lui faire pas mal de un gros choc.
Mais voilà, okay. C'est à toi. Et j'entends qu'il y a encore quelque chose, en tout cas, qui est debout. Tout à fait. Surtout, tu vois ton camarade mercenaire, là, qui est en train de, dans une posture de combat, attentive, là, tu vois, attentiste, où il a son épée bien brandie. Il n'est pas calme et serein. Hein. Tu vois qu'il y a un adversaire quelque part, même si tu le vois pas vraiment, tu sais à peu près où il est. Je voudrais me rapprocher. Après, j'ai un problème au niveau des distances, c'est que je sais pas ce que je peux faire ou pas. C'est pas très grave. Là, il n'y a pas de problème. Je voudrais me rapprocher et si je peux, je voudrais le charger. Ouais, tu peux. Ok. Tu auras un bonus de plus 10. Mais par contre, je lance quoi là ? Bon, comme d'habitude, ton arme de corps à corps. À part si t'as changé d'arme et que t'as pris un truc bizarre, mais sinon. Non. Alors, je préviens les stats qu'on a 4 minutes pour finir le combat. Arme de corps à corps, très bien. Tu laisses comme ça, oui. Sachant que ça veut pas dire que t'as loupé, hein. Mm-hmm. Donc tu te rapproches, oui, t'es au corps à corps. Lui, je suppose que la macro va pas marcher, mais je vais quand même essayer. Il n'y a pas de bonus. Ah si, ça marche. Donc il a 3 degrés d'échec et toi t'as 2 degrés d'échec, donc tu réussis, tu me lances 1 des 10 plus ton BF3 plus 1, donc plus 4. Et t'essayes de faire un gros coup de marteau. Ok, 10 points de blessure. Là, tu le blesses, tu vois, mais ça n'est pas suffisant pour l'achever d'un seul coup. Tu vois que sa carrure, sa musculature, sa masse est bien supérieure à ce que tu as pu voir même dans les arènes, quoi. Le type est salement muté, quoi, hein. Donc pendant que je fais mon petit calcul, vous allez tous les deux d'ailleurs me lancer un test de force mentale. Comme Caron, il n'y a pas de raison. Je peux relancer un test de force mentale ? Tu pourrais, en effet. Je pense que c'est nécessaire. Ok. Et on va demander à Théodoric de faire pareil. Vite, capitaine. Force mentale, hein ? Oui. Ah ben non. Vous avez vu des horreurs, hein, dans votre vie, mais là, de près, comme ça, vous n'avez pas toujours été en première ligne, hein, lors des batailles contre les forces d'Arcaon. Est-ce que tu gardes ton résultat ? Moi, je garde mon résultat. Okay. Dans ce cas-là, tu peux étreiner ta case point de folie. T'en prends un. Eh bien. Tandis que la bête essaye de s'en prendre à Engla en face d'elle, elle va essayer de t'attraper avec ses tentacules. Je te laisse me faire un test de CC, tu sais, en haut, là, il y a marqué CC, mmh, normalement, pour voir comment tu arrives à parer son... Bravo. T'arrives à le faire reculer. T'arrives même, si tu le veux, à écraser un de ses tentacules. Mmh. Au niveau des règles, on a décidé que quand le défenseur gagnait, entre guillemets, il arrivait quand même à faire un point de dommage au pool de points de vie de l'adversaire. D'accord ? En tout cas, lui, il a essayé de s'en prendre à toi, tu vois qu'il a essayé de t'attraper, mais t'as bien réussi à l'écraser sur place. Caron, c'est à toi. Oui. Tu vois que la chose est en train d'essayer d'agripper la gladiatrice que tu as pu percevoir un peu plus tôt dans la matinée. Qui se débrouille plutôt bien avec son marteau, mine de rien, c'est assez impressionnant. Mais voyant encore cette créature qui est un danger pour tout le monde, je vais la contourner et profiter qu'elle est en train d'attaquer la gladiatrice pour aller lui mettre un coup d'épée au niveau du tendon d'Achille, dans les pieds. Ok, bah en fait tu essayes de la contourner pour
pour l'attaquer, tu sais qu'elle te voit passer, entre guillemets. Oui, oui, c'est juste pour l'effet de surprise. Quand vous êtes à 2 contre 1, en fait, tu obtiens de base un bonus de +10 à ton test de toucher. Donc, tu te déplaces, tu te mets là, et quand tu fais ton test d'arme au corps à corps, au niveau des règles, tu mets un petit 10 en bonus. C'est parti. Sachant qu'en fait là tu peux pas choper plus de bonus que ça parce que tu t'es déplacé, donc t'as déjà fait demi-action pour, pour te déplacer et demi-action pour faire une attaque standard. Ok. Donc tu fais 10 plus 4 parce que ton B, ton degré de réussite est de 4, donc 10 plus 4, 14, et tu arrives par derrière à lui lacérer les tendons d'Achille. Tu vois qu'elle se ramasse sur elle-même, elle fait un pouce, un hurlement, elle tombe à genoux, elle t'offre sa gorge. Et tu l'achèves. Ça, je passe mon épée devant après l'avoir fait tomber, je passe mon épée devant son cou et je tranche de gauche vers la droite tout en relevant la main et je laisse retomber mon bras avec l'épée ensanglantée au bout. Très bien. Vous êtes là, sur cette scène de carnage. Le combat doit avoir cessé, sûrement. Vous regardez autour de vous. Oui. Vous avez le capitaine Schiller qui est en train de claudiquer jusqu'à vous. Et le tireur, là. Quelque chose tout de suite, là, maintenant. Ouais. Moi, je veux traverser le pont pour aller voir pour le tireur. Il reste le tireur dans la maison en face. Très bien, vous entendez ce mot, tireur. Qu'est-ce que vous faites les autres? Enfin, même avant, en fait, après, ce que je voulais faire tout de suite après avoir achevé la créature, je voudrais, si je peux, me mettre assis par terre contre le pilier du pont, s'il y a bien un pilier de cette forme. Ouais, tout à fait. Je me mets assis, en fait, le dos contre le pilier, justement, pour me mettre à couvert tout de suite après, tout de suite après avoir achevé la créature. Très bien. Et je n'ai pas les bras ballants. Ok, c'est ça la question. C'est ça. Et je vais juste jeter un coup d'œil en laissant légèrement dépasser mon visage pour essayer de voir si je vois quelque chose. Tu vas me jeter un test de perception. Le capitaine, lui aussi, s'est mis contre la charrette. Il appelle Engla. Venez vous mettre à couvert tout de suite, attention. Vas-y, je t'écoute. Pardon. Est-ce que j'ai la possibilité de soulever un décor, un des petits? Les petits sont le seul vraiment petit, c'était celui qui était là. Tu vois ma flèche celui ou pas qui a... Oui, je vois. Celui qui a les cornes, est-ce que par rapport à mes muscles, ça me paraît faisable ou pas? Ça dépend en fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux t'en faire un bouclier? Un bouclier pour traverser le pont. Lui, ouais, tu vas pouvoir parce que t'es une gladiatrice. Mais tu sais que, par contre, toucher un mutant du chaos, c'est pas recommandé parce que on ne sait pas vraiment, les humains ne savent pas vraiment comment se transmettent les mutations. Mais bon, en cas de force majeure, tu pourrais le faire. Mais là, tant qu'à faire, si tu veux de l'autre côté, tu as juste à suivre le parapet, tu te mets à quatre pattes, tu vois. Toucher un mutant du chaos, c'est vraiment pas ragoûtant, quoi. Théodoric, tu... Ce que j'aimerais bien faire, c'est donc rengainer mon épée. Il n'a pas servi finalement. Reprendre mon arbalète, me mettre à couvert pour la recharger. Ouais. Hein, et ensuite, une fois que ça sera fait, commencer à traverser le pont en mettant à couvert le plus possible, arbalète en main. Tu es en train de recharger quand toi, Caron, tu vois une silhouette de l'autre côté. Tu vois une silhouette qui ressemble peut-être vaguement à un mutant. Même si... tu vois pas, il y a d'énormes tentacules ou quoi que ce soit. Par contre, elle est en train de courir dans la rue en sens inverse, comme si elle voulait s'enfuir. Ok, de toute façon, dès que je vois la silhouette, je l'indique en laissant dépasser le bras. Et du bout du doigt, la personne s'enfuit là-bas. Et puis, j'indique ça du doigt, des fois que quelqu'un d'autre ait le temps de tirer ou de faire quelque chose. Si je suis à portée, je peux essayer de viser et de tirer, mais est-ce que je suis à portée ? C'est porté, c'est compliqué. Tu sais que t'as une chance de le toucher, mais pas deux. Ok. Franchement, je l'attends très bien en visant. Très bien. Tant pis si tu prends ton temps. Ouais. Tu vises.
T'as plus 20, toi, en visée. Oui, exactement. Tu mets que plus 10. D'accord. Sans le plus, hein. Tu m'as dit que ma macro, elle marchait pas, en revanche. Donc je reprends quand même arbalète. Si, c'est censé marcher, arbalète. Alors, ça avait pas marché. Mais d'ailleurs, ça n'a pas marché parce que t'as mis le plus. Faut pas mettre plus. Ah oui, pardon. Effectivement. 10. Percutante, non. Ouais, putain, attends, je rentrais bien de la... Petit point de fortune, là. J'ai combien en point de fortune, moi? C'est la jauge verte, donc t'en as 3, de ce que je vois. On les récupère comment? Dans une campagne, moi je les fais récupérer à chaque lever de jour. Okay. Dans cette petite histoire d'une soirée, je pense que je vous en referai récupérer juste au milieu de la soirée. Quoi. D'accord. Mais écoute, je vais le dépenser et je vais relancer mon dé, si tu veux bien. Ok, vas-y. Allez. Oh oui! Joli! Vous entendez la corde qui claque. Paf! Le carreau qui siffle. Et un splouch. Toi, Caron, qui est en train de regarder, tu vois que le type a pas été mortellement touché. Par contre, le vrillon, je sais plus comment on appelle ça là, la pointe du carreau a dû s'enfoncer dans son omoplate. Il avait quelque chose à la main qu'il a lâché. Et tu le vois se rétamer au sol. Se relever difficilement. Je vais me lever et courir dès que je vois qu'il a été touché. Je me redresse et je cours en sa direction, espérant peut-être le rattraper. Tu vois qu'il est encore lui aussi en train de courir. Hein. Il a été blessé de ce que tu vois à l'épaule. Donc ça n'a pas ralenti sa course, surtout que tu sais pas comment réagissent les mutants à la douleur. Hein, mais, C'est sûr, mais j'ai l'impression qu'il a lâché son arme de loin. Je vois qu'il a lâché quelque chose. J'ai l'impression que c'est son arme. Et du coup, je me dis, bon, moi, il peut pas me tirer dessus si je le cours derrière. Et je fonce. Très bien. Tu entends derrière toi quand même le capitaine Schiller. Mon garçon, attendez. N'allez pas là-bas. Cette partie de la ville est condamnée. Faites attention. T'as le droit d'y aller quand même. Hein. Bien sûr, c'est ce que je vais faire. Peut-être que si on arrive à interroger cette créature, elle pourra nous dire pourquoi elles sont venues ici. Donc je vais courir de toute façon, comme j'ai dit. Très bien. Je vais m'élancer à la suite quand je vois ça. Tu peux tout à fait, pas de problème. Vous deux, Théodoric et Capitaine Schiller, vous voyez que finalement Caron se lance, mais ça doit être peine perdue parce que déjà il connaît pas la ville. Et en plus, c'est tellement détruit, débris partout, murs effondrés, etc., qu'il a fallu que la créature tourne à un coin pour que vous la perdiez de vue. Ah, ok. Alors, tu peux toujours essayer si t'as vraiment envie d'aller à sa suite, hein, mais tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Je vais déjà m'arrêter au niveau de l'objet qui est tombé, pour voir si c'était vraiment son tromblon, son fusil. Ouais, c'est pas compliqué, tu vois que c'est un fusil. Ok. C'est d'ailleurs, de ce que tu sais, de ce que tu connais, ce qu'on appelle un long fusil du Orland. C'est-à-dire un fusil de chasseur qui a été fabriqué... C'est une pièce unique, en fait, qui a été fabriquée certainement pour une famille de chasseurs du Orland par un maître artisan, forgeron, tu sais pas trop. L'objet est clairement de facture humaine. Et n'a aucune trace chaotique ou maléfique sur lui, quoi. Ok. Du coup, en courant, quand je vois l'objet au sol, je le ramasse, mais je m'arrête pas, et je voudrais juste au moins aller au coin de là où la créature a tourné, pour voir si elle est plus loin dans la rue ou si elle a encore tourné dans d'autres maisons, mais au moins aller au premier coin. Et quand tu vois au coin, tu vois qu'en fait la muraille extérieure de ce côté de la ville, de l'autre côté de la ville, est par endroits effondrée. Et il serait pas impossible que la créature ait tout simplement rejoint la forêt. Quoi. Ok, d'accord. Très bien, bah je vais. Reprendre mon souffle. Et se couper la tête en regardant le sol et faire demi-tour en marchant. Très bien, tu reviens en marchant pendant que finalement tu vois qu'il y a Engla qui était en train d'essayer de te suivre. Qui te voit. Elle s'est enfuie. Revenir avec ce fusil à la main. Je pense que on lui aura passé l'envie de revenir de toute façon.
Oui. Elle risque de prévenir les siens. C'est ça le problème. On pourra pas rester ici. Vous voyez que le capitaine Schiller est, malgré le coup, même en plus du coup, a l'air complètement dépité. Je crois que vous avez raison. On ne pourra pas rester à Beck. En tous les cas, je pense que la ville, le village, les ruines que je suis moi-même vous doivent une fière chandelle. Sacrée précision, mon gars. Et Théodoric qui met une tape sur l'épaule. Ce vieux capitaine, avec plus de 50 ans, là, toi, le petit jeune. Tu iras loin. Et quant merci à vous, capitaine. Merci pour vos réactions. Vous avez su faire ce qu'on peut attendre de citoyens de l'Empire, c'est-à-dire votre devoir et pas chier dans vos bottes. Merci. J'ai eu de la chance. Il met un petit coup de pied à l'un des mutants là par terre, il crache dessus. Pah. Je fais un signe de tête pour remercier et je nettoie mon marteau. Ouais, il y a un petit peu de gluant dessus. Mmh. J'ignorais que les hommes bêtes étaient capables de tirer avec des armes. Je pensais que c'était des brutes écervelées qui fonçaient cornes baissées dans les foules. Au pire qu'ils maniaient des gourdins, mais j'ignorais qu'ils étaient capables de faire des tirs aussi précis. Parce que c'est pas des hommes bêtes. C'est des hommes qui ont muté. Quand il dit ça, t'as Schiller qui approuve, qui en retourne un qui était sur le ventre, là. Et vous voyez, en fait, c'est vrai que son visage a des traits humains, en fait. Et là, Schiller qui fait nom de la tête. Je crois que c'est d'anciens habitants à nous. Je crois que je reconnais ce visage. Il faut pas qu'on reste ici, c'est pas possible. Homme bête, mutant, c'est la manifestation du chaos, tout ça. Effectivement, on ne devrait pas rester. Je vais m'approcher de toi, Théodore. Et je vais dire, toi, tu sembles savoir tirer avec les armes. Est-ce que tu veux garder le trophée? Et je te tends le fusil comme ça. Enfin, je lève le fusil devant toi. Je suis un peu étonné que tu me donnes ça. Et j'en ai jamais manié. Ça a l'air d'être un bel outil, mais je veux bien le garder. Peut-être que je le remettrai à quelqu'un qui sait s'en servir. Et peut-être qu'il me servira. On sait jamais. Merci. Et je m'appelle Théodoric Vernulf. Je suis Caron. Et toi, la gladiatrice? Alors, vous voyez que pendant que vous aviez commencé à discuter, moi, je me suis rapprochée du chariot et je suis en train de soulever un petit bout de la bâche pour regarder ce qu'il y a dedans. Il y a ce que t'as dit, de la bouffe et du vin. Ça s'est un peu renversé pendant que vous l'aviez précipitamment emmené, mais tu vois ça. Et du coup, je fais tourner tous les yeux vers toi en te demandant ton nom, alors que je faisais pas gaffe à ce que tu faisais. Et je me retourne comme la main prise dans le sac un peu. Moi, c'est Engla. Schiller. Eh ben, Engla, servez-vous, vous l'avez bien mérité. Il lève la bâche. Et vous aussi, messieurs. Derrière, vous entendez une voix de vieille femme. Capitaine Schiller! Capitaine Schiller, vous allez bien? On a vu que vous avez été frappé par un coup de fusil, c'est bien ça. Vous avez la vieille femme, que vous savez tous être Granny Mosher, la soigneuse du village, qui arrive derrière elle. Vous avez quatre petits mioches entre 2 et 5 ans qui courent. Granny, attends, Granny! Garçon ou fille, peu importe. Elle arrive, elle s'agenouille auprès, enfin elle s'agenouille, elle s'approche, parce qu'il n'est pas à genoux, elle s'approche de Schiller. Hein. Vous voyez qu'elle est vraiment inquiète pour lui, sincèrement. Oui. Elle se rend compte que tout va bien. Et vous,
Vous vous êtes battu contre ces choses. Vous allez bien, vous n'avez pas été blessé. Vous voyez qu'elle commence à mettre sa main à une bourse qu'elle a sur le côté. Elle commence à sortir machinalement des plantes, des cataplasmes, des trucs comme ça. Vous avez besoin de moi, peut-être. Mes yeux s'illuminent. Pardon. Alors, vas-y, vas-y. J'allais juste dire, mes yeux s'illuminent quand elle met la main à sa bourse et quand je vois qu'elle sort des plantes, je regarde ailleurs. Et j'ai pensé à la même chose. Alors, ça besace, si tu préfères. Ouais, même, on sait jamais. Et du coup, je fais nom de la tête. Monsieur, elle s'adresse à toi. Mon garçon, plutôt, Théodoric. Vous non plus, tout va bien. Vous avez réussi à tuer tous ces monstres sans une égratignure. Non, madame, ça va bien. Merci à vous. On s'en est bien sortis pour cette fois. Alors, elle va voir un peu derrière. Elle voit Engla, là-bas, au fond. Madame, mademoiselle, vous allez bien aussi? J'ai une main dans le chariot et la deuxième en train de manger, d'apporter de la nourriture à ma bouche. Et je me retourne. Ça va, tout va bien. Je voudrais bien un peu de ça aussi. Ce serait pas de refus. J'ai pas mangé depuis deux jours. Oui. Allez-y, mangez, je vous ai donné l'ordre. Vous êtes la part du lion. Servez-vous en premier. J'y vais. Toi, Théodoric, qui est à côté du chariot, t'entends quand même la vieille qui... Ah, quand même. Kerarton, on peut pas rester ici. Ces attaques continuelles. Tu sais ce qui s'est passé pendant que vous étiez ici? Et l'autre, non, qu'est-ce qui s'est passé? On a également été attaqué à la porte de l'autre côté. Bon, les gardes ont réussi à les tuer, mais on peut pas rester là, c'est pas prudent. Il faut qu'on aille à Talabaim, malgré tout. Ils avaient pris le village en tenaille? Oui, enfin, on n'avait pas vraiment compris, nous, que c'était une tenaille, mais en effet, ils ont attaqué ici et en même temps de l'autre côté. Des mutants aussi. L'attaque est réfléchie. Je savais pas que ces choses-là pouvaient penser. Peut-être qu'elles pensent pas toutes seules. Et quoi qu'il en soit, on est trop faible. C'est... Même si vous êtes là, c'est pas avec 5 soldats, plus vous 4, qu'on peut sauver 70 personnes. Enfin, c'est impensable. Je sais que le père Dietrich sera pas d'accord, mais quand même, garde, il faut savoir raison garder. Père Dietrich, vous avez tous entendu déjà ce nom, c'est... Le prêtre de Sigmar du village, en fait. C'est lui qui gère les affaires religieuses. Sauf que de ce que vous avez appris, il n'est pas non plus porté dans les cœurs des gens. Et bien tout simplement parce que c'est un village et que lui est arrivé ici il y a 2 mois peut-être. Seulement. En remplacement du prêtre officiel qui est décédé pendant les combats, tout simplement. De l'autre côté du pont... Il y avait le temple, et le temple est tombé, et le prêtre est resté à bord du navire, comme on dirait, jusqu'à son dernier souffle. Le père Dietrich a donc remplacé l'ancien prêtre. C'est tout ce que vous en savez. Hein. Pendant que vous êtes en train de manger, de vous rapprocher, vous avez des gens qui arrivent. Hein. Il n'y a pas que Granny Mosher qui arrive. Et puis vous voyez que les gens sont en train de discuter quand même... entre eux assez de manière virulente, ils sortent de leur cachette. Le discours que vous entendez principal, c'est « il faut pas rester là, quoi ». Les gens ont peur, ouais. Clairement. Je vais quand même soulever la bâche de mon côté et prendre un morceau de pain et un bout de fromage, mais tout de suite m'éloigner, enfin les enfourner dans ma sacoche et m'éloigner de la charrette. Je pense spécialement que les gens voient que je tape allègrement dans les ressources, allègrement d'ailleurs. Donc, toujours t'as, pris, t'as pris ta part, quoi, c'est tout. C'est ça, mais j'ai pas envie que quand les gens arrivent, je sois toujours en train de fouiller dans la charrette. Donc je prends ce qu'il y a et ce qui m'intéresse, et je m'éloigne. Et alors que je range le morceau de fromage dans mon sac, de toute façon, oui, cette ville est un véritable gruyère. Donc, il serait peut-être temps de partir. Les attaques peuvent provenir de n'importe où. Vous pourrez plus jamais défendre cette cité correctement. Enfin, ce village correctement. Et si le temple a été détruit, je pense que le père sera prêt à aller prêcher la bonne parole dans un autre temple. Parfait.
Moi, je m'en vais. Je suis le mouvement. Je mets le fusil en bandoulière, tout en sachant pertinemment que je ne sais pas du tout le manier, je n'utiliserai jamais. Mais j'ai entendu dire que les longs fusils d'Orland, c'était cher. Alors, dans ma tête, je me dis qu'il se peut qu'un jour, vu que j'ai pas été payé depuis longtemps et que j'ai la dalle, que ça me serve plutôt à ça. Tu sais que c'est cher parce que tu sais que c'est un objet rare et il te paraîtrait même pas, incroyable de penser que, s'il faut, si tu prenais le temps de le regarder, il y aurait peut-être le nom d'une famille gravé dessus quelque part ou quoi que ce soit. Oh bah par curiosité, je regarderai peut-être un peu plus tard, ouais, le là, soir. Tu n'auras pas le temps. Voilà, à un campement. Mais en tout cas, voilà, je voulais faire part de mes intentions.